credits all roll down, crying, crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains. Hey! Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous y attendez tous, c'est une vidéo encore de AliExpress. Donc j'ai pas mal de petits trucs que j'ai cumulés, ça fait maintenant un certain temps. Donc je vais essayer de tout vous présenter, mais sinon je regarderai pour la prochaine vidéo qui sera sûrement ou dans 15 jours pour vous ou un peu plus tard, selon comment je programme. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà pour commencer, on va commencer par les habits, comme ça moi ça sera fait. Je me suis commandé un pull, donc qui se présente comme ceci. Donc on le voit beaucoup sur AliExpress, donc c'est celui-ci avec marqué Balenciaga Harlem 10 avenue, je sais pas quoi. Donc voici. Donc il taille assez bien mais quand même assez près du corps. Pourtant j'ai pris la taille, j'ai pris la taille L. Donc mais c'était la plus grande taille que j'avais. Il n'y avait pas ici XL quoi, que d'habitude je me commande ça. Donc voilà, les manches elles sont serrées au bout de chaque côté et en bas pareil. Donc je l'aime beaucoup, en plus il passe partout celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, il est avec des sortes de petits carrés molletonnés. Et sinon c'est matière pull quoi, moi matière pas pull, matière sweat. Et par contre très bonne qualité, franchement je vous mettrai le lien de mon vendeur s'il existe toujours. Très bonne qualité, en plus il est pas non plus très 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 fin, il est vraiment sweat qu'on peut retrouver en France quoi. Donc celui-ci j'en suis ravie. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer au make-up. Donc je me suis commandé un pinceau, voici. Donc imitation Real Techniques. Voilà, quoi, vous avez compris. Donc il se présente comme ceci. Par contre, il n'y a pas le nom. Je l'ai payé dans les 1 euro. Donc je vous mettrai tous les prix par contre sur la vidéo. Parce que je les ai pas. Donc voici. Par contre il est tout cabossé, moi je sais pas si vous verrez, voilà il est tout cabossé, là c'est à moitié ouvert, mais vous voyez pas grand chose. Sinon il est, voilà, c'est, je voulais un pinceau vraiment fluffy, moins très très dense quoi, et j'en suis ravie. Donc je l'ai pas encore lavé, je l'ai pas encore testé, mais il perd pas ses poils, donc franchement c'est parfait. Et franchement, j'en suis très ravie. En plus, on peut le faire tenir comme ça. On sait pas. Donc, j'en suis ravie. Ensuite, je me suis commandé des petits... imitations... merde, imitation quoi, ça Bref, je m'en souviens plus comment ça s'appelle. Donc, j'en ai pris deux. Et par contre, la couleur était aléatoire. Donc, j'en ai reçu un bleu. Et un espèce de beige. Et par contre je suis assez déçue parce que c'est vraiment très très petit. Oui, voilà quoi. Bon, sachant que j'ai des petites mains, mon pouce, voilà, il fait la taille de mon pouce, donc c'est très, voilà, là au moins vous avez tout vu, c'est très petit. Mais ils ont pas l'air si durs que ça comme on peut voir sur certaines vidéos. Franchement ils sont très bien en fait. Et ils sont tout doux. Donc je les ai pas encore lavés. Et sinon j'en suis contente. Mais bon, ils sont un peu petits quoi. Mais au moins on pourra bien faire partout. Donc voilà. En plus ils m'ont pas coûté trop cher. Je crois que c'est dans les 40 centimes. Donc voilà pour ça. J'en ai fini. Ah non, bah je vais vous présenter ça. Je me suis commandé des petits élastiques transparents. Et en fait je pensais que c'était vraiment les tout tout petits. Que type pour faire une petite tresse, voilà quoi. Par contre, je n'ai aucune idée de combien il y en a, donc faut les compter. Il doit y avoir, je pense, une cinquantaine. Donc je vais l'ouvrir. Et en fait, ils sont quand même très larges.
Mon style pour une queue de cheval, c'est parfait, quoi. Donc, j'en suis contente. Ensuite, je me suis commandé. Donc là, j'ai fait exprès d'en prendre deux. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, je vais vous le sortir. Donc, j'en ai pris deux, hein, c'est les deux les mêmes. Je crois qu'on peut choisir la couleur. Ou je sais plus. Mais voilà, donc ça se présente comme ceci. Et en fait, c'est... Hop là. Voici. Donc lui, hop là. Donc c'est un parfum pour mettre dans votre sac. Donc c'est assez petit, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main ou à ma tête. Donc c'est parfait pour les sacs. Donc voilà, donc ça se remplit par là. Vous avez juste à tirer le capuchon. Et vous avez le petit flacon. Donc le flacon, il est en verre par contre. Hein. Donc voilà, ça se dévisse. Et vous mettez le parfum de votre choix dedans. Et comme ça, vous avez votre parfum sur vous si en cours de journée, vous en avez besoin. Et on peut entendre le mot. Voilà, donc ça a l'air très bien. Dedans, c'est comme ceci, si vous voulez voir. Donc ça, pour ça, en fait, je les ai commandés pour un cadeau de Noël. Donc franchement, j'en suis très contente. Donc voilà, avec le petit pochon et tout. Ensuite, on va penser... Passé technique. Donc je me suis commandé une boîte comme ceci. Donc j'ai mis mes bijoux dedans, mes boucles d'oreilles. Donc elle se présente comme ceci. Il y a 8, non 10. Ah ouais, c'était 10. Ouais. Il y a 10 compartiments comme ceci. Donc c'est quand même assez bon. La taille, moi franchement j'aime bien. Moi je rentre toutes mes boucles d'oreilles, même celle-ci là. Elles y rentrent dedans, comme vous pouvez le constater. Donc, je crois que ça valait 80 centimes ou un truc du genre. Et du coup, vu que j'en étais très satisfaite, je m'en suis reprise une autre, mais chez un autre vendeur. Donc, celle-ci, j'ai mis mes piercings dedans. Donc, vous pouvez voir, il y a mes piercings d'AliExpress et tout. Mais voilà. Mais celle-ci, j'ai pas l'impression que ce soit la même qualité. Elle a l'air plus endommagée, la boîte, que celle-ci. Que celle-ci. Mais j'en suis très contente. Et bien sûr, on peut défaire les compartiments. Donc je vais vous montrer sans renverser. Voilà. Et on peut déplacer les petits... je sais pas si vous verrez. Voilà. Ça, là, ce qu'il y a au milieu, là. Vous voyez, on peut faire des cases plus grandes. Et ça, je trouve ça trop génial. Ouh, il y a de l'eau dedans, c'est vrai. Je vais nettoyer. Faut que je fasse gaffe. De pas abîmer les piercings. Donc voilà. Par contre, pour mettre mes piercings, je l'ai désinfecté et nettoyé. C'est pour ça qu'il y a encore de l'eau dedans. Pour être sûr que. Voilà, parce que même si ça sent pas, on sait jamais, c'est quand même des piercings. Donc voilà, ça referme comme ceci. Il y a même la petite tirette ici. Là. Pour si vous voulez les peindre ou je sais pas. Donc ces bois, j'en suis très contente. Ensuite, je me suis pris les bijoux de cheville que je n'ai pas encore ouverts. De toute façon, maintenant qu'on arrive à l'hiver, les bijoux de cheville en général, je les mets plus trop. Ils ont mis super longtemps à venir, par contre. Je les avais commandés cet été et je les ai reçus quoi, il y a un mois. Donc ils sont venus très très doucement. Donc le premier, il se présente comme ceci. Donc c'est un love en doré. Donc voilà. Il est très joli celui-ci. Et je m'en suis commandé un autre en argenté cette fois-ci. Je vais vous le présenter. On le voit beaucoup celui-ci sur AliExpress. Donc je pense que vous l'avez sûrement déjà repéré. Donc c'est le signet fini avec une espèce de petite perle bleue avec des traits marrons. Hop là, comme ceci. Donc celui-ci en argenté, je le trouve très joli aussi. Et ils m'ont coûté vraiment pas très cher. Ensuite, je me suis commandé encore une montre. Donc elle se présente comme ceci.
Donc celle-ci, je l'avais vue sur une chaîne, je crois que c'était Test en beauté qui l'a présentée, et je me suis dit, ouais, celle-là, il me la faut à tout prix. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est Geneva avec des motifs pastèques, ce qui se fait beaucoup en ce moment. Et elle est venue très très doucement, style un mois et demi, 2 mois. Donc je l'avais commandée pour cet été, mais au final, vu que je l'ai reçue que maintenant, bon, je la mettrai quand même parce que du bleu, j'en ai beaucoup. Et elle est vraiment. Donc c'est. C'est pas du cuir, hein. Donc voici ce que ça rend sur le poignet. Elle est vraiment très belle. Ensuite, je me suis commandé un collier. Donc il se présente comme ceci. Franchement, il est trop beau. Alors, celui-là aussi, je l'avais vu sur une chaîne, mais je sais plus laquelle c'est. Franchement, j'en ai aucune idée. J'en regarde tellement des vidéos AliExpress. Donc comme ceci, par contre, voilà, c'est du dur, hein. Le derrière, il est très bien fini. Franchement, il n'y a pas de souci. Ça rend ceci. Bah, je vais le mettre. Donc voici ce que ça donne. Franchement, il est trop beau. Je vais m'avancer. Franchement, waouh, il est trop beau, j'adore. Je kiffe. Ensuite, dans le technique, je me suis commandé une lampe. Donc, vous savez, c'est les lampes qu'on met avec prise USB, donc sur votre ordinateur, pour voir le clavier quand il fait nuit. Donc, elle, voilà, il y a tout ça comme LED. Donc, elle est couleur blanche. Je ne l'ai pas encore testée. Donc, je vous mettrai au pire une annotation pour si elle ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai juste posée là. Donc, voilà, ça se tord dans tous les sens. Mais bon, moi, je vais m'en servir surtout pour mon bureau qui est. Donc, je vais sûrement la mettre comme ceci. Je sais pas comment je la mettrai. Mais bon, quand je fais mes papiers sur mon bureau, je n'ai pas de petite lampe. Et vu que j'ai qu'une prise pour brancher l'ordinateur, je me suis dit, il me faut une lampe, quoi, sinon je suis dans le noir. Donc voilà. Chose faite. Ensuite, je me suis commandé donc ceci. Donc c'est un socle pour brancher votre téléphone à la verticale. À la verticale, oui. Donc il y avait trois couleurs, doré, blanc et noir. Donc, moi je me suis pris noir, comme ça passe partout. Donc il se présente comme ceci. Par contre c'est fait pour les 5. iPhone 5, 5, ça voilà. Mais j'ai vu sur d'autres vendeurs, il y en a plein qui font pour tous les téléphones. Donc vous mettez votre téléphone ici, et vous le connectez au chargeur derrière. Et comme ça vous avez le téléphone droit qui charge. Là, vous avez une espèce d'anti-adhésif pour pas que ça glisse. Franchement, il est trop beau. Il est verni et tout. Il est magnifique. Je ne l'ai pas encore testé parce que je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je vous mettrai une annotation aussi si ça ne fonctionne pas. Et je vous dirai mieux. Ensuite, je me suis commandé, donc je l'ai reçu dans ceci. Donc c'était aussi pour cet été, mais du coup je l'ai reçu trop tard. Je l'ai reçu dans une boîte. Voilà, comme ceci. Donc ça se présentait comme ceci à l'intérieur. Je ne l'ai pas touché. Moi aussi, je l'ai sorti. Donc c'est des lunettes de soleil. Comme on en voit partout. Donc c'est celle-ci. Elles existent en plusieurs motifs. Il y avait léopard, jaune, vert, toutes les couleurs. Moi, je les ai pris en noir, comme ça au moins. Voilà. Ouh, on voit mon téléphone. Donc, il y a marqué, je ne sais pas si vous verrez, UV400 CE. Donc, franchement, la qualité, ça a l'air bien. Par contre, je pense qu'il ne faut pas tirer trop dessus, parce que sinon, ça casse. C'est plastique. Il y a les petits strass. Et ça se présente comme ceci. Donc franchement, elle protège bien du soleil. Donc celle-ci aussi, c'était du coup pour cet été. Mais bon, voilà, je les ai reçues trop tard. Je sais pas si vous verrez, il y a un petit trou exprès pour le nez bien long. Le mettre le nez comme il faut, quoi. Elles se présentent comme ceci. Elles ne sont pas rayées ni quoi que ce soit. Elles ont l'air très bien. Franchement, pour...
au prix que je les ai payés, ça va très bien. Mais je pense que j'aurais dû me les prendre aussi en léopard. Moi qui adore le léopard, ça aurait été top. Mais peut-être que je me les recommanderais pour l'été prochain. Et ensuite, pour finir, je me suis commandé. Ouh, j'ai oublié un truc. Je finirai par l'autre. Je me suis commandé des. Ils appellent ça des velcro. Je l'avais vu sur une chaîne aussi. Donc, c'est des espèces de bigoudis en velcro. Comme vous pouvez voir. Alors, il y avait différentes tailles. Donc, moi, j'ai pris 4,4. C'est marqué ici. 4,4 cm pour avoir des grosses boucles. Donc, apparemment, vous mettez ça. Donc, vous faites comme un bigoudi, vous le mettez, vous le chauffez. Et c'est avec la chaleur que ça forme la boucle. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais en prendre un. Au prix que je les ai payés, franchement, ça va quoi. C'est très très correct. Donc, je les ai pas testés, mais je viens de les recevoir. Donc, je vous dirai ce que ça en est. Ensuite, pour terminer, je me suis commandé ceci. Donc, ça a été reçu dans un papier comme ceci. Mais bon, voilà, c'est juste un papier, hein. Donc, voilà. Donc, c'est un portefeuille. Comme vous pouvez le voir, Michael Kors. Donc c'est une copie bien sûr. Donc voilà. Donc franchement, niveau imitation, chapeau. Parce que même là, ils ont fait les petits détails et tout. C'est très bien. Donc moi, j'ai toujours des gros portefeuilles et j'en voulais un qui soit assez petit pour trimballer un peu partout quand j'en ai marre. Donc je l'ai pris blanc parce que j'ai rien en blanc. Donc la fermeture, nickel. Ça coince un peu là par contre. Voilà. Ah oui, mais non, parce que je l'avais mal mis. Donc, il se présente comme ceci à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un peu marqué Michael Kors de partout. Vous avez, bon, c'est le portefeuille classique, hein, les cartes ici, la carte là, les petites poches pour ranger vos papiers, la petite zipette ici pour les petites pièces de monnaie. Il sent un peu quand même le plastique, hein, faut se l'avouer. Donc voilà. Donc c'est le portefeuille classique, mais franchement, j'en suis trop contente. Il est parfait. Donc voilà, j'ai fini avec tous mes achats de AliExpress. Je vais encore recevoir certaines affaires, donc ça sera pour le prochain haul. En tout cas, j'espère qu'en attendant, vous prendrez soin de vous. Et à la prochaine. Bye!